Hello, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice, calque pour ce quatrième petit tutoriel pour les débutants. Donc j'ai lancé LibreOffice comme vous pouvez le voir et je vais évidemment choisir un classeur calque puisque nous sommes sur calque. Et ce n'est que le début. Voilà, la feuille de calcul. Donc une feuille de calcul sur Excel est nommée par des colonnes A, B, C, D, etc. jusqu'à très très loin. Ici, vous avez des flèches de défilement tout en bas. Si je clique dessus, vous voyez que les lettres en haut défilent sans aucun souci. Il y en a beaucoup. Donc je ne vais pas aller jusqu'au bout. Avec l'ascenseur, je reste appuyé et je reviens au départ. Sachant qu'on reste toujours en A au départ. Hein. Ne commencez pas en K, ça sert à rien. On commence toujours en colonne A. Et vous avez les lignes qui sont caractérisé par les numéros de lignes que vous voyez ici. Même principe, si je clique sur la petite flèche ici, que je reste appuyé, ça défile, il y en a beaucoup. Donc même principe, on commence toujours en ligne 1 pour les lignes. Donc les têtes de colonne, ce sont les lettres, les têtes de ligne, ce sont les chiffres. Vous avez donc ici toute une feuille de calcul avec des cellules. Vous n'avez dans une feuille de calcul que des cellules. Je clique, vous voyez, je suis dans la cellule. Je suis dans la cellule E8. On le voit dans le coin et on le voit grâce à la couleur bleue en E et la couleur bleue en 8. Je suis bien donc dans la cellule E8. Je sélectionne plusieurs parties en restant appuyé. On voit que j'ai sélectionné la colonne E, F, G, H, I. Et la ligne 5 jusqu'à 12. Ça, c'est pour visualiser l'endroit où je suis. Pour sélectionner donc une colonne, on clique sur la tête de colonne. Vous voyez, en cliquant dessus, je sélectionne toute la colonne. Si je veux en sélectionner plusieurs, je reste appuyé et je fais glisser ma souris pour sélectionner plusieurs colonnes. Même principe pour les lignes. Si je clique sur le 1, j'ai sélectionné toute la ligne. La 3, la 6. Si j'en veux plusieurs, je reste sur la 1, je reste appuyé avec le bouton gauche et je descends avec ma souris, ce qui me permet de me sélectionner plusieurs lignes qui se suivent. Si je veux sélectionner une colonne A et que je veux sélectionner la colonne D, j'appuie sur la touche CTRL CTRL qui est à gauche de mon clavier, je reste appuyé dessus et je clique sur D. Je clique, je reste appuyé et je clique sur G. Je reste appuyé, je clique sur G, ce qui m'a permis de sélectionner la colonne A, D, G et J. Même principe pour les lignes. Si je sélectionne la ligne 3, je clique une fois sur la ligne 3. Je reste appuyé sur la touche CTRL ensuite. Et je sélectionne les têtes de ligne que je veux. Comme vous pouvez le voir, j'ai la ligne 1, 6, 9, 12 et 15 de sélectionner. Si je reste appuyé sur la touche CTRL, je peux tout à fait sélectionner la colonne D, la colonne F, la colonne H. Voilà pour la sélection des lignes et des colonnes. La touche CTRL permettant de bloquer, je recommence, B, CTRL, F. Je reste appuyé sur CTRL, ligne 6, ligne 10. Pour sélectionner une partie, je reste appuyé, je fais glisser ma souris. Si j'appuie sur la touche CTRL, je peux sélectionner une autre partie. Et je clique pour enlever la sélection. Si je veux sélectionner une feuille de calcul en entier, je clique dans le coin ici, ce qui me permet de sélectionner toute la feuille de calcul. Ça, c'est pour la sélection. Pour agrandir ou réduire la largeur des colonnes, par exemple la colonne C, je clique sur le C, je me positionne entre le C et le D, vous voyez les deux petites flèches, j'appuie sur le bouton gauche de ma souris et je fais glisser à l'endroit 5 par exemple et je lâche. Vous voyez la colonne C s'est agrandie. Si je veux la F, je clique sur la F, je me positionne entre la F et le G, j'ai la croix avec les deux petites flèches, j'appuie avec le bouton gauche et je fais glisser ma souris. Si je veux la colonne A, B, C, D, E, F de la même largeur, je sélectionne donc les quatre colonnes A, je reste appuyé, je fais glisser ma souris.
je sélectionne les quatre colonnes et je n'agrandis qu'une seule entre B et C par exemple. Je reste appuyé avec le bouton gauche et j'élargis. Et vous voyez que mes colonnes A, B, C, D, E, F s'agrandissent. Donc on sélectionne bien les colonnes que l'on veut. On peut tout à fait choisir format, colonne ici, largeur ici. Pourquoi pas, c'est la même chose. Ainsi, on peut indiquer 5 cm et dire OK. Du coup, les 4 colonnes sont à 5 cm. Donc, soit on décide avec la petite croix de faire glisser et les 4 colonnes, 5 colonnes ont la même largeur. Je reste appuyé, je fais glisser. Soit format, colonne, largeur. Et je décide ici que je veux 3 cm pile poil. Alors, je peux utiliser les petites flèches. Hein. Voilà, 3 cm pour la colonne A, B, C, D, E, F. Et je dis OK. Pour les lignes, c'est le même principe. Je sélectionne sur la ligne 1. Si je veux agrandir ma ligne 1 seulement, je me mets entre les deux, ici avec les deux flèches, je reste appuyé et j'agrandis la hauteur de ligne. Et la ligne s'agrandit en hauteur. La 5 par exemple, je clique sur la 5, je me mets entre la 5 et la 6, je reste appuyé avec le bouton gauche et je fais glisser ma souris. Et elle s'agrandit en hauteur. Si je veux toutes les lignes de la même hauteur, je clique sur le 1 et je fais glisser ma souris jusqu'à la 10 par exemple. J'en agrandis une seule, ce qui permet d'agrandir toutes les lignes comme je veux, à la hauteur que je veux, évidemment. Je peux bien évidemment aller dans le menu, par exemple, je sélectionne la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hop là, je vais un peu vite, 10, les 10 premières lignes, je peux bien évidemment aller dans format, ligne, hauteur, et indiquer ici que je veux qu'elle fasse 50 0,50 cm et je dis OK et toutes prendront la même dimension. Donc première possibilité, je sélectionne les lignes, j'utilise la petite flèche ici entre les deux, je reste appuyé et je fais glisser ma souris et elles s'agrandissent toutes. Deuxième possibilité, format, ligne, hauteur, et je demande ici ce que je veux. Ainsi toutes les lignes que j'ai sélectionnées prendront la même hauteur sans aucun problème. Voilà pour modifier la largeur des colonnes. La C par exemple, je reste appuyé, je fais glisser. Ou format colonne, largeur, et je demande la largeur que je veux pour cette colonne. Si j'en veux plusieurs de la même largeur, je sélectionne le nombre de colonnes que je veux. Même principe, j'utilise la petite croix. Ici, je fais glisser format largeur, colonne, largeur, et je décide de ce que je veux ici pour toutes les colonnes que j'ai sélectionnées. Les lignes, je répète, c'est je sélectionne le nombre de lignes que je veux, j'utilise la petite croix ici avec les deux flèches, je reste appuyé, je fais glisser, ou format ligne hauteur, et je décide pile poil 1 cm et je dis OK. Si j'en veux qu'une seule, bien évidemment, j'en agrandis qu'une seule. Si je veux qu'une colonne, je n'agrandis qu'une seule. Ou je la réduis, évidemment. Agrandir ou réduire, dans ce sens ou dans ce sens. Même chose pour les lignes. Dans ce sens, plus grand ou plus petit, dans ce sens. C'est vous qui voyez, selon le besoin. Voilà pour sélectionner les colonnes, les lignes, les cellules. Agrandir ou réduire la hauteur et la largeur des lignes et des colonnes. Tout en bas ici, vous avez feuille 1. C'est votre première feuille de calcul. On peut utiliser plusieurs feuilles dans un même classeur. Et si vous n'avez pas de nom, première chose à faire lorsque vous faites un exercice, faire fichier, connaissez le principe, enregistrez sous et donnez un nom à votre classeur. Moi, je vais le mettre sur le bureau, mais vous pouvez le mettre où vous voulez. On va dire par exemple exercice 1. Ça sera le premier exercice. On va mettre exercice au pluriel.
et je vais dire enregistrer. Ainsi, vous nommez votre classeur exercice. Mais vous pouvez faire plusieurs exercices. Premier exercice sur la feuille 1 pour nommer une feuille de calcul. Vous avez donc la possibilité d'ajouter, de supprimer des feuilles de calcul et de les renommer. Pour renommer une feuille de calcul, je vais me positionner sur feuille 1 en bas, je fais un double clic. Ainsi, je vais pouvoir la nommer Exo 1 par exemple. Et je dis OK. Ainsi, je sais qu'ici, j'aurai un premier exercice. Pour rajouter une feuille de calcul, vous avez un petit plus ici. Plus, double clic, et je la nomme Exo 2 par exemple. Et je dis OK. Ainsi, je sais que j'ai quelque chose sur la feuille 2. Je rajoute une feuille de calcul, plus, et si je veux le nommer, la nommer Exo 3, double clic, et je la nomme Exo 3. Et je dis OK, etc. On peut rajouter autant de feuilles de calcul que l'on veut en cliquant sur le plus et en faisant un double clic dessus pour les nommer comme on veut. Exo 4. Et OK. Pour supprimer une feuille de calcul, par exemple la 5, je clique dessus, je fais un bouton droit, clic droit de la souris, et je fais ici supprimer la feuille. Et je dis oui. La feuille 6, clic droit, supprimer la feuille, et je dis oui. Voilà comment vous pouvez supprimer une feuille de calcul. Vous pouvez évidemment ici dans format feuille, si vous le souhaitez, si vous préférez, renommer une feuille. Et vous la nommez comme vous voulez, sans aucun problème. Personnellement, j'aime autant faire un double clic et la nommer direct. Mais vous pouvez le faire dans format feuille renommée. Pour la supprimer, je clique dessus et je fais un clic droit, supprimer une feuille. Et je dis oui. Exo 4, je veux la supprimer. Clic droit, clic gauche sur supprimer la feuille. Et je dis oui. Je peux très bien en insérer une. À partir de là, hein, insérer une feuille et ça s'insère. Nouvelle feuille, etc. Mais autant cliquer sur le plus. Voilà, pour rajouter des feuilles, les nommer, je fais un double clic, je donne le nom. Pour les supprimer, clic droit, supprimer la feuille, clic gauche. Vous pouvez aussi faire un clic droit et la renommer à partir de là. N'ayez pas peur, hein, d'essayer les choses sans aucun souci. Vous pouvez aussi utiliser le menu format, feuille ici, renommer ici. Chacun fait à sa manière. Voilà, donc pour la supprimer, clic droit, supprimer la feuille ou renommer la feuille. Voilà, nous verrons un petit peu tout ça, ne vous inquiétez pas. Pour les feuilles de calcul, c'est très intéressant. Dans un même classeur, on peut avoir plusieurs exercices. Un exercice 1, un exercice 2, un exercice 3, une facture 1 par exemple, que l'on irait copier-coller sur la deuxième, sur la troisième. On n'aurait plus qu'à changer les données pour les calculs. Vous verrez tout ceci, c'est très pratique. Et nous verrons ensemble au fur et à mesure avec les exercices que nous allons faire sur Calc. Voilà pour ce petit tutoriel pour apprendre à gérer le classeur, les feuilles, comment ajouter ou supprimer ou nommer des feuilles, comment agrandir ou réduire des colonnes et des lignes au niveau de la hauteur. À bientôt pour un autre tutoriel et nous verrons un petit peu comment créer un document, enregistrer un document, fermer un document, ouvrir un fichier d'Excel, de Calc. Excel et Calc, c'est la même chose, hein. Donc ce que vous faites sur Calc sera identique à Excel. L'avantage, c'est que LibreOffice est gratuit. Voilà, à bientôt.